ce que je disais, c'est qu'il y a aussi énormément de personnes qui sont nées en France, qui sont parents africains, qui sont issus de la diaspora, qui se sentent confrontées en permanence à des discriminations, au racisme systémique, et qui en fait sont fatiguées et finalement décident d'aller en Afrique pour ne plus faire face aux sentiments d'exclusion et en tout cas aux messages négatifs qui sont à la fois véhiculés par les médias et par le quotidien des discriminations, qui parfois ont le sentiment qu'elles ne peuvent même pas accéder aux postes auxquels leurs compétences devraient pouvoir leur permettre de prétendre, et qui finalement se retrouvent ici pour se protéger tout simplement d'un racisme qui est quand même assez présent. Donc, et après, évidemment, c'est pas seulement du débile qui fait venir les gens, il y a véritablement la volonté d'honorer le pays de leurs parents, en tout cas le continent de leurs parents, mais je pense que ce rejet est quand même aussi symptomatique, en tout cas, il génère quand même pas mal de désirs de partir. C'est une initiative extrêmement importante et bienvenue. J'ai trouvé que ton intervention était... Enfin, elle m'a donné vraiment envie de te poser davantage de questions, mais je trouve que c'est bien de structurer cette volonté de s'installer, de retourner sur le continent. Je trouve qu'il y a pas mal de ressources potentielles.